L'amour du Dieu vivant, on ne peut pas comparer cela à notre amour ici. Dieu nous a tellement aimés qu'il a abandonné sa gloire et il est venu sur la terre. Il est devenu comme l'un de nous pour que nous puissions être comme lui. Oh, quel mystère! Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous allons d'abord prier avant de lire la parole. Père bien-aimé, nous sommes venus devant toi, Père bien-aimé, pour communier avec toi ce soir, parce que tu nous as appris à communier avec toi. Alors que là au commencement, Seigneur, tu venais dans la fraîcheur de chaque soir pour communier avec Adam et Ève. Mais un jour, cette communion a été brisée, et c'est pourquoi, Seigneur, tu es venu toi-même sur la terre pour rétablir cette communion. Nous sommes en train de partir vers cette communion. Bénis-nous ce soir, Seigneur notre Dieu. Bénis la parole que nous allons lire. Bénis chaque enfant de Dieu. Seigneur Jésus, dispose le cœur de chacun pour entendre ta parole. Et révèle-toi à chacun de nous, Seigneur, parce que personne ne peut saisir ta parole si toi, tu ne le révèles pas cela. Nous nous attendons à toi, Seigneur notre Dieu. Sois avec nos pères et bénis-nous ce soir. Bénis la parole que nous allons lire et que cette parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Nous te demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Et nous allons lire également le verset 26. Nous commençons au verset 14 de Jean 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Est-ce que vous êtes heureux pour cette promesse? Ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est le Seigneur Jésus qui parle. Est-ce que vous croyez aux paroles de Jésus? Alors tout ce que vous demanderez ce soir, au nom de Jésus, vous le recevrez. Oh,
Oh merci Seigneur, quelle promesse merveilleuse. Oh ma tante Kole, la canine ya kitoko boye. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, Pengai, je prierai le Père. Na kobonde la papa. Et il vous donnera un autre consolateur. A kopesa bino mosungi mosusu. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Poete ya umela seko elongo na bino. L'esprit de vérité. Molimo na bosolo. Que le monde ne peut recevoir. Oyo mokili bakoki kozwa ete. Frère Bana me dit que dans d'autres livres c'est écrit que le monde ne peut comprendre. Mais parce qu'il ne les voit pas et il ne les connaît pas, mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et au verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que le Seigneur bénisse sa parole, le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. On a eu un peu comme une récréation. Et maintenant nous allons continuer pour exploiter ce thème du Saint-Esprit ou ce grand sujet qui est même ce message du temps de la fin. Parce que le message du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Christ dans notre âge. C'est Dieu. Donc il n'y a rien qui soit plus grand que Dieu. Tout c'est Dieu. Donc nous voulons parler de Dieu. Mais Dieu attend que Saint-Esprit. Et le thème que nous allons exploiter, c'est la prédication que Frère Branham a prêchée et qu'il a intitulé « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» Mais le sujet que nous allons tirer là-dessus, c'est l'Esprit agissant dans l'épouse. C'est ça le sujet de notre prédication ce soir. L'Esprit agissant dans l'épouse. Pourquoi Dieu devait donner le Saint-Esprit aux gens? Est-ce que l'homme au commencement avait l'Esprit de Dieu? Adam et Ève, est-ce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu? Est-ce que Adam et Ève communiaient avec Dieu? Est-ce qu'ils parlaient avec Dieu? Est-ce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils obéissaient à la parole de Dieu? Est-ce que Dieu était satisfait avec leur attitude, avec leur comportement, avec tout ce qu'ils faisaient? Ils étaient des fils et des filles de Dieu. Ils étaient des enfants de Dieu. Quand Dieu les a créés, il a dit que tout est bon. Il était content d'eux. Il les a laissés dans le jardin. Il leur a donné cette terre pour régner sur ça. C'est qu'ils avaient l'Esprit de Dieu. Ils ne pouvaient pas régner sans Dieu. Ils étaient des enfants de Dieu. Dieu leur a donné la juridiction de la terre. Et Dieu a pris la juridiction du ciel. Donc Adam et Ève étaient des petits dieux sur la terre. Mais malgré cela, le diable est parvenu à séduire Ève. Et aujourd'hui nous savons que Dieu le savait, que Ève sera séduite. Il savait ça. C'est dans son programme. C'est dans son plan. Mais qui peut le reprendre? Qui peut reprocher Dieu? Personne.
C'est lui qui a fait toutes choses. Et il est content de voir ses plans se dérouler ainsi. Parce qu'il est écrit que Dieu fait toutes choses selon son bon plaisir. Alors nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons entrer dans l'Esprit de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, même si apparemment, avec notre intelligence, nous voyons que c'est mauvais, mais nous entrons dans l'Esprit de Dieu, nous disons que Dieu a fait cela pour son bon plaisir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère Branham dit que Dieu a donné le Saint-Esprit à l'homme parce que Dieu veut continuer à réaliser ses projets sur cette terre. Dieu habitait en Jésus-Christ. Là, c'est simple. Tout le monde sait ça. Que toute la plénitude était corporellement en Jésus-Christ. Que Jésus était Dieu. Personne ne peut douter de cela. Il était le Dieu créateur. Il était la parole qui était auprès du Père. Et qui était Dieu. Et il est venu. Il est devenu homme. Mais il était toujours Dieu. Dieu. Tout le monde le sait. On l'a adoré. Depuis sa naissance, les bergers sont allés l'adorer. Quand il était encore un petit enfant, les mages sont allés l'adorer. Donc il était Dieu qu'on adorait. Pourquoi? Parce que dans Ésaïe chapitre 9, il est dit: un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera Dieu puissant. Père éternel. Pourquoi ne pas l'adorer? Parce qu'il est le Père éternel. Et le Père éternel, c'est Jéhovah. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc les chrétiens, dans ces derniers jours, ils sont bien éclairés. Il n'y a pas de confusion. Jésus-Christ est fils de Dieu. Parce que Dieu est devenu homme. Et on l'a appelé fils de Dieu. Mais il est Dieu. Oh, gloire à Jésus. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et frère Branham dit que Dieu a habité en Jésus-Christ. Le Dieu du ciel a habité en Jésus-Christ. Et la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Ah mon Dieu. Est-ce que mon image c'est moi-même? Mon image, c'est moi. Elilingi langa ezali ngai. Mon image, mais me représente. Elilingi langa ezali kotali sangai. Mais c'est mon image. Ezali elilingi langai. C'est ma projection. Ezali etali sali ngai. Donc Jésus-Christ. Elingolo ba Yesu Christo. Était la projection de Dieu sur la terre. Azala ki etali sali na nzambe awa na mokili. Dieu s'est projeté dans ce corps là. Nzambe mitali sali kati na nzoto wana. Avec tous ses attributs. Na biteni na ye nyoso. Alors il était Dieu. Na bongo azala ki nzambe. Mais à Moïse. Kasi kati na Mose. Dieu était en portion. Nzambe azala ki na eteni. Il s'est projeté en portion. Ani monisa ki na eteni. À Élie. Na Elia. Il s'est projeté en portion. Ami monisa ki na eteni. À Samuel. Na Samuel. Il s'est projeté en portion. Abraham, il s'est projeté en portion. Mais en Jésus-Christ, il s'est projeté en entier. Il avait l'Esprit sans mesure. Tandis que tous les prophètes avaient l'Esprit avec mesure. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Et frère Branham dit dans cette prédication que Dieu, quand il était en Jésus, il faisait ses œuvres. Il avait un programme accompli. Il avait le projet à réaliser.
Je me suis dit, mais Dieu était un homme d'affaires. Il a eu beaucoup de projets. Il voulait sauver l'homme. Il voulait guérir l'homme. Il voulait ramener l'homme à la communion qu'il avait avec lui. Il voulait revêtir l'homme de son autorité. Il voulait que l'homme puisse avoir un pouvoir sur le diable. Il avait beaucoup de projets. Il voulait que l'homme redevienne à ce qu'il était avant. Un petit Dieu sur la terre. Il voulait que l'homme puisse résister à Satan, au diable. Bien que c'est le diable qui règne sur la terre maintenant. Mais Dieu voulait que l'homme, tout en état sur la terre, sur le terrain du diable, qu'il puisse résister au diable. Qu'il soit capable de le faire. Et quand il était en Jésus-Christ, il a montré beaucoup de choses. Il a montré qu'il était guérisseur. Qu'il était sauveur. Qu'il était libérateur. Qu'il était le Dieu tout-puissant. Qu'il pouvait créer. Il pouvait marcher sur les eaux. Il était Dieu. Il avait le projet. Il voulait que l'homme soit sauvé. Et il n'a pas terminé tous ses projets. Parce que Jésus ne pouvait pas continuer à vivre pendant 2000 ans. Devait être retiré. C'est pourquoi Dieu a sanctifié les hommes pour qu'ils viennent encore demeurer dans ces hommes et continuer ses œuvres, continuer ses projets. Pourquoi? Parce que même si Jésus a versé le sang, mais il y avait des hommes qui n'étaient pas sur la terre, qui n'étaient pas encore sauvés, mais qui seront perdus, mais qui ira les chercher? Il faut que Dieu aille les chercher. Mais Dieu est esprit. Il va chercher les hommes comment? Il faut qu'il demeure dans les hommes pour qu'il puisse aller parler aux hommes. Voilà la raison pour laquelle Dieu a donné le Saint-Esprit à l'homme pour qu'il puisse continuer à poursuivre ses projets, pour qu'il puisse continuer à réaliser ses œuvres. Et le prophète dit ceci dans la prédication: pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Je suis au paragraphe 19. Il dit maintenant le but. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Frère, n'oubliez pas, nous ne sommes pas en train de parler de la géographie. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Nous voulons que les gens puissent recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu a promis le Saint-Esprit aux hommes, pas à tous les hommes, mais à ses enfants. Comme nous l'avons vu, à ceux dont les noms sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau. Donc nous venons ici pour nous rassurer de notre salut. Nous venons ici pour nous rassurer de la promesse de Dieu. Est-ce que Dieu a déjà accompli sa promesse à mon égard? Il a donné la promesse à l'homme. Moi aussi, je suis un homme. Est-ce qu'il a déjà accompli cette promesse? Ou il attend encore? S'il a déjà accompli la promesse, alors le Saint-Esprit, ou par le Saint-Esprit, je verrai Dieu en train de réaliser ses projets à travers moi. Je le verrai si il est là. Et si je ne le vois pas, je serai aussi sûr qu'il ne demeure pas à moi. Et à ce moment-là, je vais suivre
sa conduite pour qu'il puisse venir demeurer en moi. C'est lui qui l'a dit. Comme nous l'avons vu la fois passée, le problème du Saint-Esprit, cela appartient à Dieu. C'est lui qui voit Yende que cette personne et est maintenant prête Pembeni à me recevoir. Cette personne oyo, elle est maintenant prête pour que je puisse entrer en elle et y demeurer. Et c'est pour cela qu'il nous est donné de recevoir la parole. Pour que Dieu puisse accomplir sa promesse. Ce n'est pas nous en réalité qui faisons les efforts pour recevoir le Saint-Esprit. Non. C'est par la souveraineté de Dieu. C'est Dieu qui est en train de veiller sur nous. C'est Dieu qui a commencé le travail en toi. C'est lui qui sait à quelle étape il est avec toi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, kembo na Yesu Christo. Et Dieu Benzambe ne sera jamais en retard. A cause la na simate. Jamais. Et le côté. Dès qu'il voit que le vase est plein. Tanga komona ite mbeki etondi. Le vase est plein. Mbeki etondi. Il viendra fermer le vase. Ako yako zipa mbeki. Mais il commencera à y ajouter de l'huile. Kasi yako komba kobakisaka mafuta. Personne ne peut ajouter de l'huile dans une bouteille. En une fois, ça s'est rempli. Non, ça commence par une goutte. On continue toujours. Jusqu'à ce que la bouteille soit pleine. C'est ça le travail de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Okay, Christ. C'est pourquoi Frère Branham me dit, quand vous venez par exemple à l'hôtel, pour recevoir le Saint-Esprit, vous sentez une sensation, ne bougez pas, restez tranquille, ne courez pas, ne vous agitez pas, c'est seulement une goutte qui est entrée. Et quand vous vous mettez debout, vous allez vite. Vous devez attendre. Continuez à attendre. Quand ce sera plein, vous verrez ce que Dieu va faire. Et la Bible dit, c'est Frère Branham qui explique cela, que le jour de la Pentecôte, les flammes de feu s'est posée sur chacun d'eux. Et après, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, vous devez le connaître. Vous devez savoir comment Dieu peut vous le donner. Il dit maintenant, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, j'ai noté ça. Jean 14, à partir du verset 14. Et de continuer à lire dans le chapitre. Vous pouvez lire aussi tout le chapitre à la maison. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. C'est tout. C'est ça le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Il tient à habiter dans l'homme. Il veut habiter dans son église. Et son église, ce n'est pas l'espace ici. Son église, c'est toi. Dieu veut habiter dans l'homme. Parce qu'il a sanctifié cet homme par son propre sang, pas par le sang d'un prophète, mais par le sang de Dieu. Dieu vous sanctifie. Frère,
Ndeko, ne vous sous-estimez pas. Quand Dieu vous sanctifie, vous deviendrez donc une personne digne à Bongi pour que Dieu habite en vous. Ne regardez pas votre état. Regardez à l'œuvre que Dieu a accomplie. Croyez à cette œuvre-là. Ce n'est pas vous qui vous sanctifiez. C'est Dieu qui vous a dit, je vous ai sanctifié. Alors croyez. Vous verrez que toutes les petites choses vont disparaître. Mais pas quoi. Les autres, Basusu, quand on leur a dit, je vous donne le pouvoir, ils ont accepté. Bandimaki. Et ils sont partis avec le pouvoir. Ils ont commencé à chasser les démons, à guérir les malades, à purifier les lépreux. Parce qu'ils ont accepté, ils avaient confiance à celui qui a parlé, que ce qu'il a dit est vrai. Que si moi je l'accepte, lui il va veiller à ça. Ce soir, si vous croyez à ce que Jésus a dit, il le fera. Alléluia. Amen. Lui, il veille sur sa parole. Il veille sur les cœurs qui peuvent croire à sa parole, qui peuvent avoir confiance à lui. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Kembona Yesu Christo. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, ma tante Nicole Yesu. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Pas à travers un homme, un seul homme. Mais à travers son église. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Jésus s'est déversé dans son église. Yesu a mis au paragraphe 20. Il dit ceci. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, le Père, Tata, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Papa na ye, Dieu, Nzambe, le Fils, Mwana, en Jésus, Katna Yesu, Dieu, Nzambe, le Saint-Esprit, Molimo Mosantu, comme nous l'appelons aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a tout. Dieu distinct, séparé. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Parce qu'il s'est vidé et il a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Écoutez maintenant. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était s'est trouvé en Christ. Et tout ce que Christ était s'est trouvé en vous. Pourquoi vous refusez ça? Vous êtes des dieux. Et le diable vient pour raisonner dans votre pensée. Est-ce que toi tu peux prier pour cette maladie? Ma soeur, dis à Satan, oui, je peux prier pour cette maladie. N'importe quel enfant de Dieu, femme ou homme, vous pouvez prier pour les malades. Et les malades seront guéris.
Alléluia. Amen. Les dons sont là. Mais nous avons le pouvoir. Dieu nous a dit, je vous donne le pouvoir. Que voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit homme ou prédicateur. Non, tout le monde. Frère Branham dit, une femme peut avoir tous les 9 dons spirituels. La chose qu'elle ne peut pas avoir, c'est le ministère de la parole. Mais pour les autres dons, une femme peut avoir ça. Une femme peut accomplir des miracles. Elle peut prier pour les malades. Elle peut prophétiser. Oh, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Nous sommes heureux parce que nous sommes dans la lumière du soir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ma sœur, ne laissez pas l'œuvre de Dieu seulement pour les hommes. Ce qui vous a interdit, c'est de ne pas prêcher. Ne prêchez pas. Même si vous lisez la Bible, vous lisez les brochures, vous avez la connaissance, tu n'en as pas pour prêcher. Tu n'en as pas pour prêcher. Mais pour d'autres choses, Dieu peut t'utiliser. Croyez à ça. C'est le prophète qui l'a dit. Oh, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Je continue encore un peu. Je suis au paragraphe 20. Car Dieu a été fait chair. Et il a habité parmi nous. Amen. Amen. Et au paragraphe 23. Et maintenant. Voilà. Tala. Le Père était Dieu au-dessus de vous. C'est ce qu'on dit. Et ça depuis Adam. Dieu le Père était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël dans une colonne de feu. Ensuite, Dieu avec nous en Christ. Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous. Et maintenant, Dieu en nous. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Et tout ce que Christ était est entré dans l'Église. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide. Qu'est-ce que c'est? Dieu a l'œuvre en vous. Laissez Dieu travailler en vous. Ne soyez pas incrédules. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudrais. J'aime ta parole. Je vais obéir à toute ta parole. Mais voici. Si tu veux que j'aille dans la fournaise ardente, pour que tu manifestes ta gloire, fais le Seigneur. Si tu veux que j'aille dans la fosse au lion, pour que tu manifestes ta gloire, mais voici Seigneur, œuvre à travers moi. Oh frères et sœurs, ne soyez pas incrédules. N'importe où dans le monde, quand il veut faire appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu'il agit en vous pour accomplir son beau plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça? Dieu le Saint-Esprit est envoyé dans le but que Dieu vive dans son Église et qu'il agisse à travers chaque âge, qu'il accomplisse sa volonté divine. Amen. Amen.
Et au paragraphe 31, il dit ceci. Oh, c'est merveilleux. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père. À nouveau. Dieu le Père qui habite en vous. Qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Quand Jésus était sur la terre, il a travaillé avec Dieu, il marchait avec Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Vrai Bana me dit, c'est toi et moi qui remplaçons Jésus. Dieu doit travailler. Dieu, c'est un travailleur. Il n'est pas un fainéant. Il doit travailler chaque jour. Ouvre-lui votre cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. Mère à tes raisonnements. Mère à tes propres idées. Mère à tes propres pensées. Laisse Dieu entrer en toi et vivre sa vie. Il n'est pas écrit que Dieu va entrer en toi pour que toi tu puisses le conduire. Pour que toi, tu puisses continuer à vivre ta vie. Pour que toi, tu puisses continuer à être intelligent. Ou un homme capable. Non. Dieu veut habiter en toi. Pour que toi, tu deviennes bourrique. Zoba. Et que lui puisse continuer son travail. Alléluia. Amen. Pour que toi, tu deviennes un vaurien. Tu n'as aucune personnalité. Tu n'as aucune réputation. Tu n'as rien à projeter de, à protéger de toi-même. Je protège ma personnalité. Ma réputation. Dieu ne veut pas ça. Si vous voulez protéger, protégez la personnalité de Jésus-Christ. Pas ta réputation à toi, mais la réputation de Jésus. Mais il faut que Jésus soit en toi. Et il veut vivre dans l'homme. Frère, ce soir, que cet homme-là, que cette femme-là soit toi. Il soit toi. Ça dépend de toi. Si tu le veux, Jésus habitera en toi ce soir. Frère, dans la maison de Corneille, pendant que Pierre prêchait, les gens avaient soif du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu. C'est votre soif à vous qui va attirer le Saint-Esprit. Si vous ne le désirez pas, vous allez le chasser. Mais si vous le désirez, il viendra. Akoya. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? Oh, que Dieu vous bénisse. Écoutez. Qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une barre pour votre frère et votre sœur déchue, perdu. Quand Ève était perdue, Dieu a fait son travail. Il a commencé à appeler Adam. Adam. Où es-tu? Ozali wapi? Mais toi, tu es Dieu. Yo, Ozali Nzambe. Tu connais toutes choses. Oui, ma tu sais là où je suis. Oui, pourquoi tu me poses des questions? Où es-tu? Ozali wapi, Adam? Où es-tu, Adam? Adam, Ozali wapi? Parce que. Poete.
Tu n'es pas là où on communie avec toi. Moi, je suis déjà là. Mais toi, je ne te vois pas, Adam. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu quittes l'endroit où je t'ai laissé? L'endroit de communion, c'est ici sous l'arbre. Où es-tu, Adam? Oh, j'ai entendu ta voix. Et je me suis caché. Dieu est allé à la recherche d'Adam. Et quand Jésus est venu, il a dit, je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Dieu habitant en Jésus, il poursuivait son but. Le grand but de Dieu, c'est de chercher la personne qui était perdue pour la ramener à la communion avec Dieu. Dieu peut vous donner des dons, il peut vous donner la puissance. Ce n'est pas vraiment ce qu'il cherche. Ce que Dieu cherche, c'est que nous revenions à ce que nous étions au commencement. C'est ça le but que Dieu poursuit. Il a envoyé des prophètes à travers les âges pour suivre ces buts-là. Et il a fait à Jésus-Christ. Mais maintenant, tout ce qui était en Jésus, il a déversé dans son église. Pourquoi il a donné le Saint-Esprit? C'est pour que nous aussi maintenant, nous puissions aller à la recherche des brebis perdues, des frères et sœurs que nous croyons qu'ils sont perdus. Au lieu de se moquer d'eux, au lieu de les mépriser, vous devez aller à leur recherche. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Si Dieu habite en vous, comme Saint-Esprit, il mettra en vous cette soif et cette faim d'aller chercher les brebis perdues. Sur la terre, uniquement ses propres enfants qui sont la parole. Lui est la parole. Et les autres choses ici, on va les brûler. Tous les enfants de Caïn, la semence du serpent, elle sera brûlée. Parce qu'il n'était pas dans la pensée éternelle de Dieu. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Nzamba sunga biso. Il dit, alobi, que qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchu, perdu, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il a fait dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que cela signifie, mon frère? Si tu dis que tu as le Saint-Esprit et que ce sentiment-là que Dieu avait quand l'homme était perdu, tu n'as pas ça, tu n'as pas Dieu en toi. Parce que ce ne sont pas tes sentiments à toi. Si Dieu n'est pas là, les sentiments humains qui peuvent m'animer moi, c'est seulement aimer celui qui m'aime. Ça, c'est le sentiment humain. C'est tout à fait normal. Mais quand Dieu entre, il change. Il détruit ces sentiments-là. Il met à moi le sentiment d'aimer même ceux qui ne m'aiment pas. Parce que la Bible dit, nous étions ennemis de Dieu, rebelles à sa parole. Mais lui, il nous a aimés et il est venu à notre recherche. C'est dur, frère. Je sais ça. Mais c'est ça la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire?
Nous devons annoncer la parole de Dieu. Qui est prêt à la recevoir? Moi, je ne sais pas. Mais nous croyons que tout ce qui était dans la pensée de Dieu, ils seront prêts à recevoir la parole de Dieu. Parce qu'ils sont une partie de la parole. Quand la parole attend la parole, la parole attire la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a promis le Saint-Esprit? Parce qu'il a ses enfants qui sont perdus dans le monde. Il faut que d'autres personnes qui sont semblables à eux, lui, il est devenu parent de l'homme. Et il a versé son sang. Mais maintenant, il veut que toi, qui es parent de l'homme, tu puisses faire ce travail-là. Oh, frères et sœurs, ne cherchez pas que Dieu descende encore ici pour aller chercher les perdus. C'est ton travail à toi. Au lieu de te moquer de quelqu'un, quoi qu'il ait fait, le conseil que je vous donne, priez pour lui. Priez jusqu'à ce que qui été, Dieu vous donne le sentiment d'aller le chercher. C'est dur. Je le sais. Mais c'est ça la parole. Dieu est en train de nous amener là. L'esprit qui agit maintenant dans l'épouse, c'est le vrai esprit qui était en Jésus-Christ. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de l'esprit. C'est bien. Mais quel est cet esprit-là qui habite en toi, qui est dans l'épouse aujourd'hui? Quel est cet esprit-là? Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de Luther. Rebana me dit que les gens de Luther avaient le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas de ce Saint-Esprit-là que nous désirons aujourd'hui. Les gens de Wesley avaient le Saint-Esprit. Sinon, ils n'iront pas au ciel. Sinon, ils ne feront pas partie de l'épouse. Sinon, ils ne feront pas partie de l'enlèvement. C'est lui qui ira dans l'enlèvement. C'est celui-là qui a reçu le Saint-Esprit selon son âge. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui du Saint-Esprit qu'ils ont reçu à l'âge de Luther. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui du Saint-Esprit qu'on avait à l'âge de Wesley. Bien que ces gens-là feront partie de l'épouse, et nous serons enlevés ensemble avec eux. Aujourd'hui, l'esprit qui agit dans l'épouse, ce n'est pas l'esprit qui agissait chez les pentecôtistes. Mais ils avaient le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils ont eu le baptême du Saint-Esprit. Mais pourquoi ce n'est pas le même Saint-Esprit? L'esprit qui était en Jésus-Christ. Jésus était la parole. Il était la plénitude de la parole. Et cet esprit-là ne peut pas venir dans les hommes, dans l'église, si l'église n'a pas encore reçu la plénitude de la parole. Et c'est pour cela que les sceaux devaient être brisés et que la parole devait être ouverte et donnée à l'église.
Aujourd'hui, lelo, nous avons reçu tozui, la plénitude de la parole litondi ya liloba, qui devait habiter dans l'épouse. La totalité de la parole litondi penza ya mobimba na liloba, qui devait habiter dans l'église. Pour que le Saint-Esprit te, qui était en Jésus Christ, puisse venir maintenant habiter dans l'église. Oh, gloire à Jésus. Okay, bon à Jésus. C'est pourquoi, frère, si vous n'avez pas encore reçu, ce qui n'a pas été, ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas quand vous, ne connaissez, vous connaissez toute la parole. Non. Non. Vous devez recevoir la révélation et mon iseli de la volonté de Dieu pour cet âge. C'est ça la plénitude de la parole aujourd'hui. Dès que Dieu voit ça en toi, il entre en toi. La plénitude de la parole. Les pentecôtistes, ils étaient dans l'âge de la restauration de la puissance de Dieu. La restauration des dons spirituels. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne vous arrêtez pas aux dons. Même si Dieu vous donne beaucoup de dons et qu'il manifeste sa puissance à travers toi, ne t'arrête pas là. Regarde d'abord en toi. Si tu as toute la parole, si tu obéis à toute la parole de Dieu, si tu es soumis à toute la parole, nous devons continuer. Les pentecôtistes du mouvement pentecôtiste n'avaient pas toute la parole. Parce que jusque-là, ils continuaient à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jusque-là, ils continuaient à permettre aux femmes de prêcher. Donc le Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ ne peut pas être déversé en eux. Tout ce qui était en Christ est déversé dans l'église aujourd'hui. Et cette église-là, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Au paragraphe 32, Christ s'est déversé dans l'église. Christo a mis son pic à l'église. C'est pourquoi, maintenant regardez bien, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Quelle unité du Père, du Fils et de l'homme. Aujourd'hui, c'est la chose qui se passe. Jésus en vous, vous en lui, lui en Père, vous formez cette unité-là. C'est ça le Saint-Esprit dans cet âge ici de la parole. Quand vous le recevez, vous devenez un petit Dieu. Le monde ne vous comprendra pas. Le monde vous trouvera bizarre. Le monde est mort pour vous. Il n'y a rien au monde qui peut vous attirer, qui peut attirer votre attention, que vous pouvez considérer. Rien au monde. Vous voyez les choses dans le monde, vous les voyez tout simplement, et rien ne peut vous attirer. Vous ne pouvez rien envier. Et le monde aussi, quand il vous regarde, il voit que vous êtes déjà mort. Il vous présente tout, tous les plaisirs du monde, vous n'êtes pas attiré. Le monde ne peut pas vous secouer. Ils peuvent mettre toutes les séductions possibles. Toi, tu as Dieu en toi. Gloire à Jésus. C'est le but que Dieu poursuit.
Je ne veux vraiment pas que les gens prennent ça comme une connaissance. Non. Il faut que ça devienne notre vie. Que dans ma vie de chaque jour, à chaque instant de ma vie, que je puisse voir si Dieu est en train de travailler à travers moi. Et je peux donner même des témoignages. Oh frère, oh, Ndeko. C'est Dieu qui est en train de vous parler. Ce n'est pas Branham. C'est Dieu qui vous parle. Et ce jour-là, vous le saurez. Car c'est tout ça, c'est un plan de rédemption qui se déroule. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec et avoir de la communion avec son peuple comme il avait fait au commencement. En d'autres termes, tel que nous sommes ici, mais Dieu doit être là. Il doit être là. Mais comme il est là, mais il doit agir à travers nous ici. S'il n'a pas agi à travers moi, il doit agir à travers mon frère. S'il n'est pas agi à travers lui, il peut agir à travers ma soeur. Il faut que Dieu agisse. Sinon, alors, nous nous rassemblons autour de qui? Autour de quoi? Nous sommes venus ici pour nous rassembler autour de qui? Si ce n'est pas autour de lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand vous venez à l'église, ayez dans votre pensée, aujourd'hui, je dois voir Dieu. Ayez dans votre pensée, aujourd'hui, Dieu doit agir à travers moi. Aujourd'hui, Dieu doit travailler à travers moi. Aujourd'hui, Dieu doit communier avec moi. Aujourd'hui, Dieu doit me remplir. Aujourd'hui, je vais à l'église pour qu'il puisse accomplir sa parole à mon égard. Je ne veux pas retourner comme j'irai à l'église. Vous prenez la décision à la maison. Je m'en vais à l'église. Pas pour venir contempler les frères. Ou contempler les prédicateurs. C'est tel qui va nous prêcher. Vous venez pour le voir. Non. Vous venez ici pour rencontrer Dieu. Et quand la parole est prêchée, que vous puissiez voir Dieu à travers la parole qui vous est prêchée. Si c'est une promesse, ne prenez pas cela comme la promesse du prédicateur. C'est la promesse de Dieu qui donne à toi, pas à nous, mais à toi. Dieu te parle. Oh, Dieu me parle. Dieu me dit que le but pour lequel j'ai promis le Saint-Esprit à moi, c'est pour qu'il puisse œuvrer à moi. Merci Seigneur. Je voudrais te voir œuvrer à travers moi. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Seigneur Jésus, viens. Je suis là. Je suis un vase. Entre. Utilise-moi. Travaille à travers moi. Si tu as cette pensée-là, cette attitude-là, mais il viendra. Mais quand tu es indifférent, tu penses à ta maison ou à tes projets à toi, à ton plan à toi, à ton programme à toi, alors que nous sommes venus ici pour le programme de Dieu. Nous devons oublier nos programmes. Oh frère, oh, Ndeko. C'est comme ça que nous échouons dans notre marche chrétienne. Quand nous quittons nos maisons, nous mourons à nos programmes. Nous venons ici pour voir le programme de Dieu pour moi. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Dieu nous aime. C'est pourquoi il nous parle de la sorte. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu.
Amen. Amen. Oh frère. Oh ndeko. Maintenant. Sikoyo. Alors dès qu'il aura fait parvenir son église à l'état où elle peut prononcer. Tango akokomisa ekeze na lolenge oyo akoki koloba. Non, ça, son épouse. Ekeze akoki koloba. Au niveau où elle peut prononcer. Oyo ekeze akoki koloba. Qu'il aura fait parvenir son église à un point où il peut se déverser à travers elle. C'est lui qui est en train de travailler l'église pour l'amener à un point où il peut se déverser dans l'église. C'est lui qui t'a appelé. Et il vous donne la parole. Il vous donne la parole. Vous mangez la parole. Il est en train de vous amener quelque part. À un point où il va entrer en toi. C'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui vas faire les efforts. Non. Frère, abandonnez-vous à Dieu. Ouvrez votre cœur. Veillez dans votre vie. Qu'est-ce qui est en vous qui continue à être attaché à vous de la nature adamique? Vous savez ça. Allez à l'hôtel avec ça. Seigneur, me voici. Je t'offre ma colère, mon égoïsme, mon orgueil. Aujourd'hui, ça doit être brûlé ici. Je ne vais pas quitter l'hôtel avec l'orgueil que j'avais avant. Je vais sortir de ce bâtiment un homme humble. Parle à Dieu. Il veut que tu puisses lui parler. Il sait qu'il est capable de vous débarrasser de ça. Mais il vous donne l'occasion de lui parler. Papa, tata, ça, en tout cas, je ne veux pas. Ok, merci beaucoup. Comme tu refuses ça, je vais enlever ça. Mais si tu aimes ça, la Bible dit, si l'amour du monde est en vous, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Or, nous venons ici pour aimer Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Écoutez. Oyoka. Il dit. Alobi. Il aura fait parvenir son église à un point où il peut se déverser à travers elle et aimer et convaincre et avoir de la communion. Alors il y aura un Éden. Il ramènera son église là où elle l'avait quitté. L'église a quitté Dieu car l'église est devenue incrédule à la parole de Dieu. Et quand l'église reviendra à l'obéissance totale à la parole de Dieu, vous vous trouverez en face de Dieu. Je le répète. C'est par l'incrédulité que Adam et Ève se sont éloignés de Dieu. Dès que l'homme commence à obéir à la parole de Dieu, il va s'approcher de Dieu. Et quand l'homme arrivera à un niveau où il obéit à toute la parole de Dieu, il va se retrouver juste à ce moment-là dans la présence de Dieu. Et Dieu va commencer à travailler avec vous. Oh frère, ce que Dieu veut, donnez-lui l'occasion d'entrer en vous. Il veut faire son travail. Il veut arriver à la fin de son programme. Mais c'est toi qui es en train de le bloquer.
L'église. Ecclesia. Venez à Christ. Oyez pas na Christo. Abandonnez-vous à lui. Bomi sundule pa na ye. Pour que lui s'abandonne aussi à vous. Boyete ye pemi sundule pa na bino. Il ramènera de nouveau à un Éden. Là où elle était tombée. Maintenant, c'est là qu'elle avait pris son départ. Au début, où sa chute. C'est là qu'elle sera ramenée tout droit. Il sera ramené tout droit à cet endroit-là. L'église a été dans le monde pendant pas mal de temps. Et l'église en réalité, après la réforme, si mana réforme les 1500 ans de l'âge des ténèbres, mibu ebele ya molili, Luther a été le premier réformateur qui est apparu après le siècle des apôtres. Si mana ba oyo ya bantoma. Et là, Nabongo, quand Luther est apparu, tango Luther amonanaki, Dieu a fait tomber un peu de l'esprit. Nzambe a kwesaki mwa moke ya molimo. Et il a déversé sur l'église. Pe a sopaki yango likolo na eklesia. Dans la justification. Kuna na kolongisama. Et puis, Nabongo, à l'époque de Wesley, natango na Wesley, il a déversé un peu plus de lui-même. A sopi mwa ndambo koleka oya Yesu. Dans la sanctification. Katina ko ça c'est le mieux. Nous n'avons pas que ça. Dieu s'est déversé un peu de lui-même dans l'église. C'est l'onction qui était dans l'église à ce moment-là. C'est la lumière qui était dans l'église à ce moment-là. Un peu de Dieu dans la sanctification. Et au fil et à mesure que l'âge a avancé, jusqu'au temps de la fin, Dieu a rempli son église. Regardez bien autour de vous et voyez si c'est la vérité ou non. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Dans l'âge des pentecôtistes, Dieu s'est déversé encore un peu plus dans son église. Mais maintenant, c'est maintenant où nous sommes en train de parler de l'épouse de Jésus-Christ. Pas de l'église. Frère Banam, il y a beaucoup d'églises. Mais il y a une seule épouse de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'églises. Mais il y a une seule épouse. La dame est élue. C'est elle que Jésus viendra chercher. Christ aujourd'hui, Christ lelo, dans son église, c'est le deuxième dessein de Dieu. Ezali mwangu ya mibale ya Nzambe. Donc Frère Banam a parlé. Oh, de dans Christ, Christo, et le mystère de Dieu révélé. Ezali bomi na Nzambe monisami. Christ, Christo, doit se déverser dans son église. Et sengeli asopana kati na eklesia na ye. Il était le représentant de Dieu. Azalaki ko tali sali sur la terre. Kati na mokili. Et il a dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi me posez-vous des questions? Montrez-nous le Père. Et aujourd'hui, Christ Christo s'est déversé dans son église. L'église aujourd'hui va être le représentant de Christ, Christo sur la terre. Pas à la manière catholique. Non, non, non. Là, wana, c'est un seul homme qui se dit représentant. Mais ici, kasi awa, il s'agit du corps de Christ, oya Christo, qui représente Christ sur la terre. Na Christo kat na mokili. Et le corps de Christ, na Christo, est composé de plusieurs membres. Na binama ebele. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ok, mon Jésus-Christ. Aujourd'hui, lelo, les gens doivent voir Christ, bato basengeli ba mona Christ à travers son église. Na kat na eklesia na ye. Quand
Quand on voit l'église, on voit Christ. Dans l'église primitive, cela a été expérimenté. On regarde Pierre. Oh, mais c'est Christ. On regarde Jean. Ils ont été avec Christ. On regarde Paul. Oh, mais ce n'est pas Christ. C'est Christ. À tel point que les hommes sont venus pour s'agenouiller devant Paul. Pour l'adorer. À tel point que les gens voulaient s'agenouiller devant Pierre. Pour l'adorer. Oh frère. Parce que Dieu était en eux. Dieu était en eux. Des petites choses du monde, des sentiments inutiles. Humain. Moi je ne veux pas. Moi je crois. Moi je pense. C'est terminé. Maintenant, c'est Christ en moi. L'espérance de la gloire. Et l'apôtre Paul a dit. Vous ne croyez pas à ça? Paul a dit. Paul a lobaki. Ce n'est pas moi qui vis. Moi, Paul, je suis déjà mort. Ce n'est pas moi qui vis. Mais c'est la parole de Dieu. Croyez à ça. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, imitez-moi. Alléluia. Amen. Pour que nous aussi, nous puissions dire, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, nous devons imiter Paul. Et c'est toi qui Paul. Aujourd'hui, que j'imite Paul. Non, mais la polo. Aujourd'hui, que j'imite Branham. Non, mais la Branham. Parce que Branham a dit, oui, Branham a j'ai prêché Natei comme Paul. La polo. Alléluia. Amen. Si Paul a dit, imitez-moi, c'est ce que nous devons imiter aussi Branham. Imitons Branham. Christ qui vit maintenant dans l'homme. Ce n'est plus l'homme qui vit. C'est-à-dire, quand vous recevez le Saint-Esprit, nous sommes en train de parler maintenant. L'Esprit agissant dans l'épouse. C'est Saint-Esprit là. Ce n'est plus vous qui vivez maintenant. C'est lui qui vit en vous. Il vit sa propre vie. C'est pourquoi nous parlons de la personne du Saint-Esprit. Et frère Banam a dit, la justification a ouvert le chemin, la voie à la sanctification. Après la justification, c'est la sanctification qui vient. Et la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Après la sanctification, c'est le baptême du Saint-Esprit qui vient. Branham ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit, le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie à la personne du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit aujourd'hui, dans le message, c'est Jésus-Christ de nouveau qui vit dans l'homme. Alléluia. Amen. Dans la portion na eteni de la parole ya liloba prévue pour cet âge. Oye, lengela makipona ekeke oyo. Dans la plénitude na litondi de la parole ya liloba pour cet âge. Pona ekeke oyo. Là, wana, il n'y a pas autre chose après. Likamusha osale zate. Après il n'y a rien. Sima eloko musa zalite. Vous parlerez comme Paul. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. C'est là où nous voulons aller. C'est là où vous êtes. Si vous avez le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis toujours. Ne vous trompez pas. Vous-même. Yomoko. Vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Les dons sont restaurés en vous. Vous vous dites, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais avancez.
Parce que après ce baptême, quand tu as eu ce baptême là, tu es toujours en colère, tu es méchant, tu es orgueilleux, et pourtant tu as été baptisé. L'onction est tombée sur toi. Tu as roulé par terre. Tu as pleuré. Tu as sauté. Tu as crié. Mais après, on te voit toujours méchant. Donc ça, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit dont nous parlons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Oui, au temps de pentecôtiste. Du mouvement pentecôtiste. Ils avaient des visions. Ils parlaient à l'âme. Ils prophétisaient. Ils priaient pour les malades. Ils ressuscitaient les morts. Mais méchants. Orgueilleux. Ils couraient derrière les jupons. Vous rappelez un autre jour, quelqu'un parlait à langue avec le vrai Saint-Esprit. Et l'autre interprétait avec le vrai Saint-Esprit. Mais sa vie était fausse. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Au temps de pentecôtistes. Aujourd'hui, si nous nous arrêtons là, nous n'irons pas dans l'enlèvement. Parce que ce n'est pas ce Saint-Esprit là que nous devons recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous a ouvert la parole pour que la parole puisse nous purifier, pour que la parole puisse nous transformer, pour que la parole puisse nous changer, et nous devenons des agneaux de Dieu. Et ce n'est qu'après ça, quand nous sommes devenus des agneaux, que le Saint-Esprit entrera en nous. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas encore agneau. Tu es encore un loup. Tu te querelles encore. Tu es encore méchant. Tu méprises les gens. Tu dénigres les gens. Tu as toutes les choses que le monde a. Et tu vois dans la ligne de prière. On prie pour toi. Tu tombes. Oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. Moi aussi aujourd'hui je suis tombé. J'ai roulé par terre. Ok, c'est bien. Vous avez été baptisé. Donc Dieu est venu sur toi. C'est ça le baptême. Mais après, nous allons te suivre. Si ton ancienne méchanceté, ça continue, tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Ne t'arrête pas là, mon frère. Ma soeur, ne t'arrête pas là. Tu dois avancer. D'abord, être sûr que la parole qui est prêchée, tu manges ça. Tu dois d'abord manger la parole. Tu dois d'abord croire à la parole. En d'autres termes, que Dieu vous révèle chaque parole qui vous est prêchée. Et que vous la receviez par les révélations. En d'autres termes, Dieu vous fait comprendre sa parole. Si Dieu ne vous a pas encore fait comprendre la parole, vous n'avez pas encore mangé cette parole-là. Manger la parole, c'est recevoir la parole par révélation. Et vous la comprenez. Et cela va s'ajouter à la parole qui est dans votre âme. Alléluia. Amen. Et Dieu sait le niveau de la parole dans votre âme. S'il y a une petite parole comme ça, mais le Saint-Esprit n'entrera pas. Lui, il est attiré par la plénitude de la parole dans votre cœur. Frère, si vous ne croyez pas à ça, vous continuerez toujours à manifester vos sentiments
des hommes comme tous les hommes au lieu de mourir. Mes bien-aimés, Dieu vous dit la vérité. Au paragraphe 36, Frère Branham dit ceci. Oh, je dois arrêter. Il dit ceci. Remarquez là ce qui s'est produit. Dieu qui se déverse en eux. Maintenant, l'Église en est arrivée à un point à partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à la Pentecôte. Et maintenant, donc, le Saint-Esprit dans cet âge, dans ce message, a commencé par Luther. Gloire à Dieu. Il passe par Wesley. Gloire à Dieu. Il passe par les pentecôtistes. Gloire à Dieu. Et il continue. Nous allons arrêter comment? Ne nous arrêtons pas. Que Dieu nous aide. Dit. Maintenant, dans cet âge ici, où nous arrivons maintenant, par le même Saint-Esprit, seulement dans une plus grande mesure. Dans une mesure plus grande que la mesure que les pentecôtistes avaient. La mesure que les pentecôtistes avaient les amenait à prophétiser, à prier pour les malades, à manifester la puissance de Dieu. Mais si nous avons la mesure plus grande que cette mesure-là, mais nous devrions voir Dieu plus dans nos vies, dans notre église, et dans l'église des pentecôtistes. Frère, Ndeko, que cela ne soit pas le souci des pasteurs, mais que cela soit le souci de chacun de nous. Quand tu es dans ta maison, pendant que tu pries, dis-moi Seigneur, dans cet âge, tu m'as donné plus que ce que tu as donné aux pentecôtistes. À quoi est-ce que moi je suis différent des pentecôtistes? Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, d'être plus qu'eux. Vous sortez, Obimi, vous rencontrez un pentecôtiste. Vous voyez comment il vit. Et tu te regardes à toi. Comment tu vis? Si c'est la même chose, so, tu es pentecôtiste. Parce que tu n'es pas différent de lui. Bien que tu dis que tu es dans les messages. Ah, t'as dans les messages. C'est pourquoi, frère, la lumière que nous avons reçue est une grande lumière par rapport à la lumière qu'ont reçue. Mais pourquoi vous continuez à marcher dans les ténèbres? Oh, mes bien-aimés, écoutons les prophètes. Maintenant, quand c'est luthérien, ont été sauvés à l'époque, ils ont reçu une portion du Saint-Esprit. Quand les méthodistes ont été sanctifiés, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, c'était une partie du Saint-Esprit. Ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, dit l'Écriture. Voyez, maintenant, Dieu, comme la lumière a commencé à briller dans les derniers jours, il attend quelque chose de grand de nous. Dieu attend quelque chose de grand de l'Église. Oh frère, oh Bandeko, que Dieu nous aide. En effet, on demandera beaucoup là où il a été beaucoup donné.
Nous nous réjouissons. Nous connaissons le message. Nous connaissons la parole. Les pentecôtistes ne connaissent rien. C'est très bien. Mais on vous demandera plus qu'on va demander aux pentecôtistes. Parce que tous les mystères ont été révélés. Alors que chez les pentecôtistes, beaucoup de mystères étaient encore cachés. Même le mystère du baptême au nom de Jésus-Christ leur a été caché. Mais nous avons reçu tout. Tous les types dans la Bible. Maintenant nous le savons. Pourquoi Jacob a croisé les bras? Pourquoi Joseph a été en prison? Pourquoi Joseph a été mis dans la caverne? Nous connaissons pourquoi maintenant. Pourquoi Moïse était tombé à brèche? Nous connaissons ça maintenant. Tous les mystères qui sont dans la Bible ont été révélés. Nous connaissons ça. Vous pensez que c'est pas un plaisir comme ça? Dieu le fait pour que vous puissiez avoir de la connaissance. Alors vous vous trompez maintenant. Dieu vous a révélé ça pour que vous sachiez que vous devez avoir un Dieu grand à vous, plus que tous les protestants, plus que les catholiques, plus que les pentecôtistes, plus que les kimbanguistes, plus que tout le monde qui parle de Dieu, plus que toutes les églises de réveil, qu'ils puissent voir Dieu en vous plus grand que Dieu qui est en eux. Oh mes bien-aimés, oh balinga milangai, que Dieu nous aide. Nzamba sunga biso. Il dit alopi, parce que nous marchons dans une plus grande lumière, avec une plus grande puissance, avec un plus grand témoignage que ceux que avaient. Maintenant, nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. Frère, les pentecôtistes, les luthériens, les gens de Wesley, pouvaient parler de Jésus qui était ressuscité et qui est vivant. C'est bien. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le témoigner. Mais nous, nous avons un grand témoignage. Parce que c'est Jésus-là qui est retourné au Père et est revenu dans son église à la dernière, à la fin du temps. Donc nous savons vraiment qu'il était ressuscité. Nous avons un plus grand témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ce n'est plus par la foi, mais par une réalité. Jésus est vivant. Il pouvait venir voir Frère Branham. Et il le prend jusque dans la maison de quelqu'un. Et il lui montre tout ce qui est dans la maison. Tu vois cet enfant qui est malade. Un enfant, donc vraiment tordu, les jambes, tout ça. Et Jésus lui demande. Il voyait cet ange-là. Il parle avec lui. Il lui demande, est-ce que cet enfant peut être guéri? Frère Branham me dit, monsieur, je ne sais pas. C'est comme ça qu'il disait, monsieur, je ne sais pas. Il dit, oui, il peut être guéri. Et pose-lui la main. Et tu verras qu'il sera guéri. Ça, c'est comme une vision. Mais c'était réel. Les visions sont des réalités. Et puis, un jour, un homme est venu. C'était un frère qu'il avait amené. On dit, non, mon ami ici, son enfant est malade. Frère Branham le regarde. Tu sais que j'ai été chez toi. Oh. Quand? Mais la nuit j'étais chez toi.
Je peux te dire ce qui est dans ta maison. La couleur des rideaux. Les chaises qui sont là-bas. Chaque chose à sa place. Qui était chez toi? Frère. Nous vivons dans un âge où nous pouvons témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Que réellement Jésus est vivant. Parce que Branham l'a vu. Il a marché avec lui. Un jour il est descendu. Il a dit mais comment? J'ai mon fils ici. Et mon neveu ou mon cousin, je ne parle toujours de toi. Tu ne peux pas permettre aujourd'hui que mon cousin puisse te voir. Et dis non. Habite. Ne réveille pas ton cousin. Mais réveille ton fils. Qu'il vienne me voir. Mon bien-aimé. Quel âge dans lequel nous sommes. Et frère Branham va réveiller Billy Paul. De comprendre qui on l'a Billy Paul. Dit Billy Paul. Abi Billy Paul. Il prend l'oreiller. Soit Kamata l'oreiller. Ses yeux. C'est pas mis son aïe. Il dit que j'enlève l'oreiller. Tant on a relongé l'oreiller. Regarde au coin là où il y a le lavabo. Tant on a su qu'on est lavabo est allé. Je vous ai toujours parlé de cet homme là. N'ayez pas encore pour la moto wana. Aujourd'hui, Lelo, il est avec nous dans la maison. Ah ça n'anda qu'on a dit ça. Vous allez le voir. Au comment aïe. Vous allez le voir aujourd'hui. Au comment aïe Lelo. Papa, c'est vrai? Papa, c'est un seul. Oui, il était frais, pas. Abi Kobangate. Il s'arrête là-bas. Il enlève l'oreiller. Alongoli coussin. Il regarde, c'est un homme. Atali Amonimoto. Ce n'est pas une vision. C'est une réalité comme ça. Tel que je vous vois, tel que vous me voyez, un homme était là. En train de regarder Billy Paul. Atali Kotala Billy Paul. Billy Paul dit, Billy Paul Alopi, depuis ce temps-là, quand nous sommes dans l'église et que lui passe, je sens sa présence. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Okay, bon à Jésus. Et Billy Paul dit, Billy Paul Alopi, bien que moi je l'ai regardé, c'est comme si lui ne faisait aucune attention à moi. Alléluia. Amen. Donc quand nous disons que Jésus est ressuscité, pour nous ici, nous avons un grand témoignage. Dans cet âge, même si les gens ne nous croient pas, mais nous croyons que c'est la vérité. C'est pourquoi l'ange a dit à frère Branham, si tu amènes les gens à te croire que j'ai été avec toi, que j'ai été parlé, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Si tu es sincère. Voyez frère et sœur, et beaucoup de frères, ils ont tordu ça. C'est comme pour dire que nous devons croire à Branham. Comme nous croyons à Jésus. Non. L'ange lui a dit, va dire aux gens, j'ai vu un ange, il m'a donné la commission, et j'irai dans le monde entier prier pour les malades. Je prierai même pour le roi. Frère Branham a dit, mais moi je suis un illettré, comment je vais les convaincre? Ma famille est pauvre, ils ne m'écouteront pas. Et l'ange lui dit, si tu les amènes à te quoi, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Frère et sœur, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, il nous a visités. Donc il est vivant. Il est réel. Ce n'est plus une imagination. Mais si vous aussi, vous croyez que cet ange-là était sur la terre aujourd'hui, frère et sœur, vous ferez de grandes choses. Alléluia. Amen. Et frère Branham me dit que cet ange-là est maintenant sur la terre. Il est en train de faire des va-et-vient. Il
il va en Amérique, il vient au Congo, il va en Europe, il va en Chine. Alléluia. Amen. Il est en train de faire le va-et-vient parce que c'est lui qui est en train de préparer l'église. Gloire à Jésus-Christ. Et il veut habiter en vous pour continuer son œuvre. C'est ça le vrai Saint-Esprit dans notre âge, la personne de Jésus-Christ habitant son église pour continuer son œuvre. Alléluia. Amen. À travers l'église. Oh, que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu vous assiste. Nous allons nous lever. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien-aimés frères et sœurs, réalisez-vous l'âge dans lequel nous sommes maintenant. Ne perdez pas de vue. Ce n'est pas le même âge que l'âge des pentecôtistes. Dans notre âge, Dieu s'est rendu réel dans son église. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ce que Dieu était, il a déversé à Christ. Et ce que Christ était, il a déversé à son église. C'est maintenant que cette parole-là doit s'accomplir. Il est le même. Alléluia. Jésus, alléluia, le message qui prépare de gloire à Jésus, alléluia, le message d'est.
Seigneur Jésus. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Il
est capable de vous bénir ce soir. Si vous ouvrez votre cœur, si vous lui abandonnez tout ce que vous êtes, il est capable ce soir de vous accorder ce que vous désirez, ma frère. Oh mon frère, ma soeur, croyez tout simplement, ouvrez votre cœur. Le Saint-Esprit, il est présent ici. Il est là pour toi. Il est venu pour toi. Il t'a appelé pour qu'il puisse demeurer en toi. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même aux États-Unis. Il est le même ici au Congo. Il est le même en Amérique. Il est le même en Chine. Il est le même en Europe. Il est le Saint-Esprit. Il ne change pas. Il est capable de vous remplir ce soir. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Béni soit son nom. Oh, merci Père bien-aimé. Alléluia. Amen. Jésus, mon sauveur, aide.
allons prier le Seigneur. Au nom de la colo. Oh, merci Seigneur Jésus. Maton de colo Jésus. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre oh, Dieu. Bon Jésus-Christ, alléluia. Amen. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus. Dieu notre Père céleste, tu es vivant, tu es réel, tu es le Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Si tu as béni ceux qui étaient en Israël, tu es aussi capable de bénir les gens aujourd'hui, ce soir. Tu es capable de bénir tes enfants comme tu l'as promis dans ta parole. Oh Père bien-aimé, viens Seigneur Jésus, marche au milieu de nous comme tu l'as promis dans ta parole. Seigneur Jésus, tu vois les besoins qui est dans tes enfants, Seigneur. C'est toi qui as promis le Saint-Esprit. C'est toi qui as donné la promesse. Tu as dit, celui qui croit. Je lui donnerai le Saint-Esprit. C'est ça la promesse. Que le Saint-Esprit est pour tout ce que Dieu appellera. Seigneur, si ce soir il y a quelqu'un qui croit que tu l'as appelé, alors donne-nous le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus, car ta parole est la vérité, Seigneur. Cette promesse est pour vous les Juifs, pour vos enfants et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre, et notre Dieu les appellera. Oh Dieu, ce soir, dans ce temps du soir, tu as un peuple que tu as appelé. Maintenant Seigneur, accomplis ta parole à leur regard, parce que tu les as appelés pour leur donner le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci le Tout-Puissant. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le lys de la vallée. Tu ne changes pas. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis ton peuple qui est venu affamé. Seigneur, accorde à chacun de tes enfants ce qu'il désire ce soir. Qu'il n'y ait personne, Seigneur, qui va rentrer à la maison tel qu'il était entré, Seigneur. Oh Père, change chacun de nous, Seigneur. Transforme chacun de nous. Taille chacun de nous, Seigneur. Façonne chacun de nous. Oh Père bien-aimé, Papa Molingami, et remplis chacun de nous ce soir. Merci Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Tout-Puissant. Tu ne changes pas, Seigneur. Laisse que ceux qui sont venus affamés qu'ils rentrent rassasiés au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Kolo Yesu. Et ceux qui sont venus malades, ils rentrent chez eux guéris au nom de Jésus-Christ. Oh Père, oh Tata, descends Seigneur, bénis ton peuple.
Il n'y a personne, Seigneur. Il rentre chez lui tel qu'il était entré, Seigneur. Je t'en supplie, Père bien-aimé. Ne laisse personne, Seigneur. Bénis chacun, Père bien-aimé. Que chacun rentre chez lui avec les bénédictions célestes. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé. Oh, kembo na papa moligami. Gloire à toi, Jésus. Kembo na yo Yesu. Car tu es le même. Oh, Zaline, denge moko. Hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Père. Matondi, papa. Que toute personne Motonyoso qui croit Wandimi à tes bénédictions, na mapamboli na yo. Oh Dieu Tout-Puissant, oh, qu'il soit béni, Seigneur. Qu'il reçoive Assoa ce qu'il a demandé. Oh, yo, Asengi. Qu'il reçoive. Assoa. Merci, Seigneur. Accompagne chacun, Seigneur. Que chacun soit dans l'atmosphère de consécration. Dans l'atmosphère d'attente de quelque chose qui doit lui arriver, qui vient de toi, une bénédiction qui vient de toi, que chacun l'attende. Et toi, tu as dit que tu donneras à celui qui attend, à celui qui a l'espoir, à celui qui espère, tu lui accorderas ce qu'il attend de toi. Merci, Père bien-aimé. Merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Maintenant, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin du service. Accompagne chacun de nous, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Nous attendons à toi, Seigneur. Nous savons que quand toi tu promets, une chose, tu l'accomplis toujours. Merci, Père, pour avoir accompli ce que tu nous as promis. Et il est écrit, quand nous demandons quelque chose au Père, en ton nom, nous devons croire que la chose que nous avons demandée, nous l'avons déjà reçue. Et nous verrons cela s'accomplir. Merci, Seigneur. Maintenant, les paniers vont circuler, Seigneur. Sanctifie ces paniers, Seigneur. Et accorde à chacun de tes enfants une bénédiction. Celui qui va y mettre quelque chose. Bénis le travail de chacun de tes enfants, Seigneur. Ceux qui n'ont pas du travail, accorde-leur le travail, Seigneur. Merci, Jésus. Bénis-nous, Seigneur, et accompagne-nous sur le chemin du retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Salut ton frère qui est à côté de toi. Salut ta soeur qui est à côté de toi. Accorde-lui les bénédictions. Dis-lui que Dieu te bénisse. Oh, merci, Seigneur Jésus. Pendant que les paniers sont en train de circuler, nous allons chanter. Et quand nous allons sortir, que le Seigneur Jésus accompagne chacun de vous. Que les bénédictions de Dieu vous accompagnent. Croyez à ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Oh.
Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu es un Dieu réel. Kolo, ozali nzambe ya solo. Tu es vivant parmi ton peuple. Ozana bomo ikat na libota na yo. Tu nous as donné la promesse que partout où ce message sera prêché, toi, tu seras là pour confirmer cela, parce que c'est ton message à toi. Seigneur notre Dieu, tu sais que nous sommes des hommes et nous sommes sujets de beaucoup d'erreurs, beaucoup de faiblesses, beaucoup de fautes. Mais nous ne voulons pas regarder à nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons regarder à toi. Car c'est toi qui as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Pardonne nos faiblesses. Pardonne tout ce que nous faisons qui n'est pas agréable devant toi, Seigneur. Notre grand désir et d'être comme toi. Merci Seigneur. Prépare-nous Seigneur. Nettoie-nous Seigneur. Purifie-nous Seigneur. Pour que nos cœurs puissent recevoir ta parole. La parole de vie. Afin que nous puissions être transformés à l'image du Fils de Dieu. Oh Père bien-aimé. Oh Papa Molingami. Après avoir écouté tout ce que nous avons écouté Seigneur, nous nous recommandons à toi maintenant, pour que le Saint-Esprit puisse arroser cette parole dans chaque cœur qu'il a reçu. Merci Seigneur notre Dieu. Bénis tes enfants Seigneur. Fortifie chacun Père bien-aimé par la parole de Dieu. Sois devant nous en toutes choses. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin des cultes. Oh Père bien-aimé, accompagne-nous Seigneur à la sortie afin que chacun de nous puisse arriver dans sa maison en bonne santé Seigneur. Merci Seigneur et rends-nous capables de ruminer cette parole, de revenir sur cette parole dans nos maisons afin que cette parole puisse être ancrée en nous Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, s'il y a encore quelqu'un qui a une requête, il voulait que nous puissions nous souvenir de lui dans nos prières. Père bien-aimé, accorde-lui ce qu'il désire au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les paniers vont suivre qu'il est maintenant pour compléter le culte. Sanctifie le Seigneur et bénis chaque main qui met maintenant quelque chose. Nous remettons entre tes mains Seigneur aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Demande d'audience. Frère Josué Baleza, frère Rigen Ngoma, frère Jean-Pierre Chodia Omatoko, frère Pascal Maliamou, sœur Mololia, frère Timothée Moulumba, frère Efeta, sœur Béa Bintou, frère Jean-Pierre Kabengou, frère Christophe Mwepou, frère Charles Timbaou. Je vous reçois demain à partir de 9h.
Pendant que le panier sont en train de circuler, Tango et Kolo Zali Kotambola, nous allons chanter le Seigneur. Et à la fin, Nasuka, que chacun rentre dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Moko azonga na kime na Kolo Jésus-Christ. Ok, nous allons chanter. Pendant qu'on est en train de prendre. Être comme Jésus, je veux être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement à être comme lui. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Tout au long du voyage. Commencez à sortir de la terre à la voix. Je demande seulement à être comme lui. Aimer, aimer comme Jésus. Aimer comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, je m'aimer. Seulement à être.